Bon, nous sommes de retour dans la chambre et au programme ce soir. C'est valise! Sac à dos! Ah pardon, oh, mais faut pas que je parle, vas-y on recommence. Mais si! C'était bien! Hola, me voici au Guatemala avec. Julia, qui a l'air ravie d'être ici! Il fait super chaud, la pauvre elle est arrivée hier de France après un voyage de je ne sais pas combien d'heures. On a déjà bien traversé le pays depuis hier. Et donc là on est à... Ah, je sais jamais le nom. Lankin. Donc là on est à Lankin. Il y a deux principales attractions qu'on va faire ici. Et on est dans une petite auberge dans les arbres, cabane dans les arbres. Donc je vais vous montrer ça, il y a des bêtes partout. Ça fait peur quand même. Ah, c'est toi la bête. Alors. Donc en fait, c'est une cabane dans les arbres. On monte par ici. Et voici la chambre. Donc il y a 5 lits. Et on paye 8 euros la nuit. Il y a une grande piscine et tout. Après, je vous montrerai. Et quand je vous dis qu'il y a des bêtes... Regardez là, ouh, j'ose même pas m'approcher. Attention. Je crois qu'elle est morte. Bref, on dirait pas comme ça, mais elle est grosse. Et il y en a un peu partout, donc cette nuit ça risque d'être drôle. Donc voilà, ça c'est notre cabane. Les toilettes sont ici, avec la salle de bain. Et on est en pleine nature. Pour manger et on marchait. On se fait prendre par un pick-up, du coup c'est cool. Le repas est servi. Sachant que ça fait deux jours qu'il n'y a pas d'électricité, donc on espère qu'on va pas tomber malade, mais ça a l'air bon. Nous voici à notre première activité du jour. On est dans des grottes qui sont par là. On a un guide qui a vraiment voulu nous accompagner. La chauve-souris. C'est parti. On va faire du tubing maintenant. Bon, maintenant il est 17h. On est rentré du tubing, c'était bien. Et on s'est douché, etc. Donc là, on va juste se poser tranquillou, profiter de cet endroit. Et après, bah, manger, dormir quoi. Du coup, bah, je vous reprendrai demain pour Semuc Champey. Un des trucs que je voulais le plus faire ici, donc ça va être trop bien. Du coup, je vous dis à demain. Hola, lendemain matin. La nuit fut compliquée, mais on est d'attaque pour Semuc Champey. Il est 8h30, je pense. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hola. Donc on va essayer de trouver un moyen de transport pour y aller. C'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne regarde pas en bas. Elle a peur. Vas-y, vas-y. On a trouvé un pick-up, on est presque arrivé. Là, il y a le pont qui fait pas trop confiance. Du coup, moi, je descends à pied. Pour filmer. Oh là là, ça fait peur, ça bouge. Nous voici arrivés à l'entrée. C'est parti pour Semuc Champey. J'ai acheté mes petites mangues. Puis ben, on va voir. Apparemment, c'est un des plus beaux endroits au Guatemala.
Donc ça risque d'être amazing. Maravilloso. On a des têtes de folle. Et donc là il est 1h15. On va donc aller manger. Vamos a comer. ¿Quieres bebida, chica? No gracias. No gracias. Bon, on a trouvé un petit resto buffet à ce mieux que champé. Et on va manger avant d'entrer. On se retrouve bien plus tard, il est 19h30 je pense, on va manger. À la base, on devait sortir le village pour aller prendre une pizza, mais on a un petit peu la flemme, du coup on va manger à l'hôtel, à l'auberge. On a commandé là. Et en attendant que la nourriture arrive, Julia va vous emmener à la piscine pour voir comment c'est de nuit. Du coup, je vous la laisse, je vous laisse la caméra et on se retrouvera après. Donc nous partons de du restaurant. Alors aujourd'hui, les Guatémaltèques ont balayé toute la journée. Donc c'est très propre. Et nous allons essayer de voir dans la nuit. Donc vous voyez, c'est un petit chemin dans des arbres. Et il y a notre petite cabane en haut. Il y a l'orage aussi, doucement, tranquillement. On va voir s'il y a du monde. Oh là, des beaux éclairs. Je vais vite rentrer auprès de Fanny parce que les grenouilles, ou oh, les grosses bêtes sont de sortie. On va vite passer. J'aime pas ça. Un chien d'aussi près, vous ne l'avez jamais vu avec Fanny. La future hostel, le village vers lequel nous ne sommes pas allés, car trop loin. Il a piscine, mais elle n'a pas de lumière. Et nous allons retrouver Fanny après cette dure montée. Ah, elle s'est fait des amis. Salut. C'est bon les papas fritas? Attends, on commence parce que c'était flou. C'est bon les papas fritas? C'est chaud. Nous voici de retour dans la chambre. Et au programme ce soir, sac à dos. On fait les sacs, on fait les valises. Pour partir demain, on va direction Flores, donc le nord du Guatemala. Donc on en aura pour 8 heures de bus normalement. Donc là on va aller se coucher. Et on se lèvera tôt pour prendre le bus. Donc je vous dis... prochaine. Hasta mañana.